C'est parti. Allez, quelques bons pas. On va faire des petites séries. Série de 10 tranquillement, pompe normale. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On part sur un gainage de pompe classique, donc bras tendus. Une minute. C'est parti. Posé. On va faire quelques dips. Alors, je ne sais pas si Lucas, on avait fait des dips à l'époque où tu faisais encore les cours Zoom. C'est les dips, c'est des pompes inversées. On est dans l'autre sens et on plie les bras. Il faut que les fesses touchent le sol vraiment le plus tard possible. Il ne faut pas que ça fasse trop mal aux épaules. Il faut plier pour que ça vienne travailler un petit peu les triceps ici. Là. Derrière les bras. On avait déjà fait. Ah, mais super alors. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Un petit peu d'abdos, les jambes sont levées, on s'enroule. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 20, 30, 40, 40 et 50. On redresse. Flexion. C'est parti.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. Allez, corde, prenez, deuxième tour. C'est parti. On part, on part. On se fait 10 pompes, mais les mains sont serrées, soit l'une sur l'autre, soit en diamant, donc en joignant pouce et index. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on va le faire sur les avant-bras. Et une minute. Alors, on va faire une 15. J'ai confiance. C'est parti. Posez. Hop là. Les dips, on enchaîne directement. 15 dips, facile. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Abdos, on fait des crunchs, les mêmes. Ah, pour pas que ce soit trop dur. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10.
Va. Trente. Quarante. Cinquante. Soixante. Soixante-dix. Quatre-vingts. Quatre-vingt-dix. Et 100. Et on redresse. Flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prenez votre corde. J'en ai un qui arrive en retard là. Je le valide. C'est Mayoub et Marois. Bon, on va les prendre dans la foulée. Allez, cordes qui vont apparaître. 2 minutes. Attention. C'est parti. Réouvre. C'est marrant ou quoi là sur l'écran? Un champignon. Ah, numéro 1. Poser. Alors, on ne va pas faire de pompe. On va faire un petit exercice. Un exercice un petit peu différent. Faire baisser mon truc pour que vous puissiez voir. On va alterner sur 1 minute 2 exercices différents. Le premier, c'est un exercice, on appelle ça de monte-escalier. Les avant-bras, je vais les poser au sol, avant-bras et mains. Et je vais devoir faire ça. Et je repose en étant au sol. Ça va ressembler à ça. Je suis ici. Je monte une main, hop, et je monte l'autre. Je repose. Et je remonte. On va faire ça pendant 30 secondes. Les 30 secondes qui suivent, on va être en écartement de pompe. On va serrer les mains. On va écarter un peu. On va écarter très grand. On revient moyen. On revient serré. Moyen, serré. Juste bouger les mains, une par une comme ça, du plus loin, au milieu, au plus bas. Ouais, c'est ça, mais il faut le faire doucement, Ayouba. C'est ça, mais doucement. On joue le catch. Une minute. Les 30 premières secondes en monte-escalier où là, je vais compter normalement. Donc là, quand je compte, on lève un, puis après l'autre, et on pose. Deux, on pousse, et on pose. Et après, quand je dis changer, je dirais écartement
serré, moyen ou grand. Et de toute façon, on suit l'ordre tel que je vous l'ai indiqué juste là. Allez, on commence par le monte-escalier, attention. Hop, c'est parti. 1, et on pose. 2, et on pose. 3, on pose. 4, on pose. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deuxième exercice, on écarte moyen, serré, moyen, grand, 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 et on pose. Gainage, on est sur les avant-bras, une minute, c'est parti. Posez. On part sur les dips. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Abdos, on part sur des crunchs. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, on maintient en haut, on passe sur les fesses et on gagne une minute. Les pieds ne sont pas posés par terre, on lève les jambes. Voilà. Et le premier qui touche les pieds par terre, il fait 100 pompes. Entendu Ayoub? Tu poses les pieds par terre, tu fais 100 pompes. Allez. Oui. Pas les pieds Marois non plus, hein. Allez, posez.
Mettez-vous debout. On va faire flexion et fente avant. 10 flexions et 10 fentes avant de chaque côté. On démarre par les flexions. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les fentes avant, hop, on décolle le talon. À chaque fois qu'on fléchit, on envoie un coup de poing au bras opposé. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Change de côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Et on se tire. Descendez tout. On lève mon écran un peu plus droit, parce que ça a bougé un peu. Comme ça. Et on stoppe. On est ici, on avance une jambe devant. On est sur un kombu large. Et on appuie doucement. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, décollez le talon, mettez les deux mains au sol. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Posez le genou. On tend la jambe. On a une main de chaque côté de la jambe tendue. On maintient. On repose le pied, hop, on passe de l'autre côté. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On décolle le talon, les deux mains sont au sol, 20 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On embrasse. On a les jambes légèrement écartées, on descend doucement vers l'avant, on maintient sans forcer. Passez sur un côté, on maintient. Passez de l'autre côté. Fléchissez les jambes, on envoie les genoux sur le côté. Posez main au sol, fléchissez une jambe, tendez l'autre. Aidez-vous des mains, changez de côté. On ramène la jambe doucement, on se remet debout.
Hop. Fléchissez une jambe, tendez l'autre. J'enlève la petite donnée là, du truc. Hop là. Les deux mains au niveau du bas du dos, on descend. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux mains sur le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Changez de côté. Deux mains au niveau du dos. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux mains sur le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Et on reste. Allez, les mains sur les hanches. On tourne dans un sens. Dans l'autre sens. On fait juste une dernière flexion pour tout remettre en place. Hop là. Et on est bon. Je vous laisse aller boire un petit coup. On se déconnecte et on se reconnecte dans la foulée. Pas trop grand, non. Il est là. Oui. C'est pas Lucas. Alors, là, ce qu'on va juste retravailler pour l'instant, pour terminer un petit peu l'échauffement, parce que j'ai pas dû vous voir beaucoup là tout ce week-end, tous les deux, enfin tous les quatre même. On va retravailler un petit peu des petits coups de pied qu'on peut faire en self-défense, en standard. On fait plutôt de la self, évidemment, là ce soir. Je vais mettre en face de vous, là, volontairement, juste travailler. Des coups de pied de côté au niveau du genou. On peut le faire un petit peu plus haut si on veut que ça échauffe un petit peu plus la hanche, mais normalement, vu qu'on va les faire pas mal de fois assez rapide, il vaut mieux pas le faire trop. À chaque fois que je vais compter, donc uniquement coup de pied de côté au niveau du genou, et après on aura juste à alterner de côté, évidemment, pour faire les deux jambes, 10 lents, 10 rapides. On essaye, c'est important de bien décomposer son mouvement, de ramener de poser. Ce que je veux pas, c'est voir un truc qui ressemble à un coup de pied circulaire, juste avec le pied à la fin comme ça. Ou bien lever le genou, ici non pas droit, mais légèrement vers l'arrière. Hein, ça, ce n'est pas un coup de pied de côté, c'est un semi-coup de pied de côté bizarre. Coup de pied de côté, je lève légèrement en arrière, pour qu'il y ait vraiment un effet de propulsion à la fin, et que j'ai un peu plus de distance avec mon genou lorsque je frappe. Donc je lève, je tends, je ramène et je pose, on fait gaffe à l'équilibre. 10 doucement, 10 rapidement, et c'est parti. 1, ouais. Ça paraît, Lucas ? On devrait se tourner, non? On devrait se tourner, c'est-à-dire? C'est-à-dire? Alors, je vois pas trop ce que tu veux dire. Là, tu peux le faire comme moi ou te mettre comme ça, c'est comme tu veux. C'est ça que tu appelles se tourner? Non. Là, ce qu'il faut, c'est que tu restes, Lucas, comme je suis. Faut pas que tu frappes. Faut pas que tu frappes et que tu te retournes. Si c'est ce que tu veux dire. Tu regardes, donc tu frappes. Tu frappes. Et tu regardes, tu as vu, moi je ne fais pas de mouvement avec mes bras pour bouger. Crac. Allez, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapide, attention. Allez, 1, 2, 3, regarde où tu frappes, Lucas. 4, la même jambe pour faire Lucas, la même jambe. 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté, attention. Doucement au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rapide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on se tient. C'était le petit mouvement pour nous mettre en train. On va travailler un mouvement un petit peu plus technique ce soir. On va faire un coup de sauter
comme si on voulait faire une feinte avec un coup de pied. Là, ce que je veux, c'est faire comme si je faisais un coup de pied de face, jambe arrière. Je vais lever ma jambe. Et au moment où je vais détendre ma jambe, je ne vais pas détendre devant, je vais détendre derrière. Et là, je vais venir allonger mon coude. Et c'est mon coude qui va venir taper. La différence qu'on va avoir avec un coup de poing sauté, hein, comme on peut faire en sanda, et puis on n'aura pas d'autre choix que de le sauter un tout petit peu plus pour être sûr de toucher, parce que forcément la distance va être beaucoup plus longue. Donc là, je suis vraiment ici. Le petit truc là-dedans, c'est vraiment lever, mettre la jambe en arrière. Je m'allonge, j'essaie de venir mettre un coup de coude. Lorsque j'ai fait mon coup de coude, vu qu'on a tous, on a des niveaux différents ici, vous le faites le coup de coude sauté et je vous laisse enchaîner avec trois coups au choix. Coup de coude sauté, je le remontrerai une fois, et après vous enchaînez avec trois coups au choix. Point, pied, coup de genou, ce que vous voulez. Doucement au départ, puis rapidement. Mais je fais bien au départ comme si je levais mon genou droit, on ne fera qu'un seul côté. Je mets le genou ensuite en arrière, mais ça se fait vite. Je lève et je pars en arrière. Et là, ma jambe, elle a avancé un peu. Je lève la jambe, je la mets en arrière, boum, le coup de coude. Et là, après, un petit enchaînement libre. 2, 2, 3, 4 mouvements. Attention, préparez-vous, ce n'est pas forcément hyper facile au début. Allez, 1. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Allez, dix plus rapide, faut que ce soit sec. Attention, allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ouh, on détend tout. Sautiller. Exercice suivant, un petit peu de récup. Active. Quelqu'un m'a saisi le poignet. Ça, c'est mon bras droit. On ne me saisit que le bras gauche. Je me mets de profil par rapport à cette personne. Je ramène la main. J'attrape son bras. Je frappe une fois, deux fois. Et je l'amène au sol en faisant une clé. Quand je fais ma clé, je vais carrément l'amener par terre et je vais le mettre en position de pompe. Donc, si je refais mon mouvement au total, ma main ici est saisie, je me mets de profil, je ramène la main au niveau de mon épaule opposée, j'attrape le bras qui m'a saisi, je frappe une fois au visage, une fois dans le bas-ventre, et là, donc, j'ai bien le bras de la personne qui est là en dessous. Donc, je vais venir pousser avec mon buste, le coude de la personne est là pour faire une clé de bras, et je vais l'amener au sol, et je me mets donc juste en position de pompe pour reproduire au maximum ce mouvement. 10 doucement, 10 rapidement, et on fera les deux côtés. Attention, placez-vous doucement, on se fait saisir. 1, on ramène à l'épaule, on attrape. Coup de coude à la tête, coup dans le bas-ventre, on s'allonge en position de pompe, et on se relève. On se replace. 2, main à l'épaule, coup de coude, coup de paume, on s'allonge. On repasse. 3, main au niveau de l'épaule, on attrape, coup de coude en haut, coup de paume en bas, hop, on s'allonge pour la clé. Allez, je ne parle plus. 5.
trop vite. 7. Huit. Neuf. Dix. Attention, plus vite. C'est parti. Allez, un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. L'autre côté, on se place doucement. Allez, un. Le profil, main à l'épaule, on attrape. Coup de coude, coude dans le bas-ventre. On se place, position de pompe. On redresse. Deux. Le profil, main à l'épaule, on attrape. Coup de coude, on frappe en bas. On se positionne en pompe. Trois. Main à l'épaule, on frappe. Frappe en bas, on se positionne. J'enlève le jeu de bras. Compliqué ce soir avec les spams. Hop là. 5. Le profil, main à l'épaule, coup de coude en haut, coup de paume en bas, et je me place. Attention, je ne parle plus. 5. 6. 7. 9. 10. Allez, attention, les plus rapides. Peut-être que c'est le côté un peu plus dur, donc fais du rapide, mais sans que ce soit trop moche non plus. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Ce qui est un petit peu. Allez, on va accélérer un petit peu. Là, je vais venir me mettre en position d'attaque. Là, on imagine, on met un low kick, coup de pied circulaire bas. Je vais venir attraper le low kick en venant lever. Comme si je bloquais mon sanda. Donc, bien à l'extérieur, j'attrape avec le bras. Dès que je fais ça, je fonce sur l'autre. Je lui mets une prune. Il tombe par terre. Je reste ici. La cheville, hein, qui est toujours ici, le pied, la cheville. Je mets ma main droite sur mon avant-bras. Et là, je vais m'allonger. Pour venir ici, ponter. Et là, je pars sur une pied de cheville. Directement depuis le sol.
faire descendre un tout petit peu. Quoi. Ici, hop là. Il veut me taper le niveau de ma jambe ou de mon genou. Je lève pour bloquer. J'attrape, je pose. Coup de poing au niveau du visage. Je fais un pas. Je mets ma main droite sur mon avant-bras gauche. Je refais un pas jambe gauche. Je m'assois par terre. Je m'allonge complètement. Et là, je vais pomper. Pomper, j'essaye de faire le pont. Et je repose. Si vous voulez le faire en plus, on peut venir faire ça là, quand vous êtes au sol. Je m'allonge ici. Et avant de ponter, je mets ma jambe par-dessus. Je ponte à une jambe. Hein, ce petit mouvement-là, ça sert à bloquer un petit peu le... à casser en fait le... l'avancée de l'autre s'il voulait se relever. Hein, parce que là, si je suis allongé ici, je mets sa jambe en arrière, il peut se relever. Mais en faisant ça, ça fait un message de barrière. Il ne pourra pas remonter plus que mon tibia. Et je pourrais faire ma clé. Les spams s'enlèvent, on est bon. On fait les premiers doucement, puis on accélère. Allez, attention. Top. 1. On attrape. Attrape au visage. Un pas jambe droite, un pas jambe gauche. Je m'allonge en arrière. Je me mets en barrière si j'ai besoin. Je pose et je me relève. Et on se replace. Allez, c'est parti. 2. Attrape. Coup de poing bras. J'avance en même temps. Je lève la jambe, je fais un pas. Je m'allonge directement. Je mets ma jambe en barrière. Je lève. Et je repasse. Attention. Bloqué, frappé, frappé. J'avance. Je mets ma main au niveau de mon avant-bras. Je pose. La jambe droite en barrage. Je lève, je ponte. Et je redresse. Attention. 5. On attrape. On frappe. La main au niveau de l'avant-bras. Je fais 2 petits pas. Je pose. La jambe en barrage. Et je lève. Attention. On ne parle plus. Mais doucement. 6. Plus rapide. C'est parti. Allez, 1. Dernier petit enchaînement, celui-là on pourra le faire de deux côtés, ce qui est un petit peu plus simple. Là on va rester plutôt sur le haut du corps en clinch. Clinch, hein, saisis la nuque. Je me rapproche un peu là par rapport à vous. Hop là. Là je suis en saisie au niveau de la nuque avec un matrape. On est en situation ici de clinch. Là ce que je veux, c'est pouvoir
descendre mon bras entre les deux bras de mon partenaire, pas mon agresseur. Passer le bras en dessous pour dégager un bras, remonter pour frapper au niveau de la maxillaire inférieure. Puis si je descends, je le protège, je remonte un, le même bras, je frappe. Deux, il y a toujours un bras qui est à peu près accroché, j'attrape la main, je tourne légèrement et je vais venir appuyer. Donc j'ai deux frappes et une clé. Je descends, je remonte, je frappe, me place avec le bras, je retourne, le coude est en l'air, donc je vais venir appuyer pour démarrer un début de clé qu'après je peux reprendre comme je veux en omoplata si j'ai envie. Pour le faire celui-là, je vais mettre de face par rapport à vous. La clé n'est pas forcément hyper intuitive, mais après les mouvements de bras ne sont pas très compliqués. Je suis ici, je place mon bras droit ou gauche comme vous voulez, de toute façon on fera les deux dedans. Je remonte pour frapper vers le haut, je réarme, je frappe de manière horizontale, je garde le bras et là j'essaie de venir retourner quasiment comme si je mettais un coup de coude avec l'autre bras. C'est quasiment le même mouvement parce que le coup de coude sera plutôt descendre. On se fait les premiers doucement et puis on accélère après petit à petit. Allez, attention. Allez, un, on passe le bras en dessous. On frappe tout le monde. On regarde, on frappe au niveau du nez, j'attrape le bras et je tourne. Et on se replace. Deux, descendez, remontez, frappez, attrapez et on tourne. Trois, descendez, frappez, frappez, on attrape la main au poignet et on tourne. Quatre, descendez, remontez, frappez, on attrape la main et on tourne. 5, on descend, on monte, on frappe et on saute. Attention, je ne parle plus pour les suivants. Allez, 6, 7, 8, 9, 10, 10, allez, les rapides, attention. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, hop là, attention de l'autre côté, 5 premiers doucement, c'est parti. Allez, passez en dessous, relevez, frappez, attrapez, retournez. 2, on descend, on frappe la mâchoire, on frappe le nez, on apporte la main à deux mains, et on tourne. 3, descendez, remontez, frappe à l'horizontale, on attrape la main à deux mains, on tourne le poignet ou le coude, pas d'importance. 4, on descend, on remonte, au niveau du nez, la main à deux mains, on tourne et on frappe. 5, on passe en dessous, on remonte, on frappe, on prend la main à deux mains et on tourne. Allez, je ne parle plus. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Allez, 10 rapides. Allez, c'est parti. 1, 2, 3,
pas du tout. Allez, je vous laisse passer. Hop là, en écart. Gardez les pointes de pied vers le haut. Allez, les deux mains sur les genoux, on descend doucement. On maintient, on ne va pas trop étirer non plus là, parce qu'on n'a pas levé les jambes à fond. Essayez bien de les garder quand même à peu près l'axe. Je sais que vous allez vous entraîner toute la semaine avec moi. C'est bien, personne n'a dit bon. C'est calme. Avancez vos mains devant le plus loin possible. Il ne faut pas que ça tire sur le dos. Ça tire un petit peu sur le dos, c'est que vous n'êtes pas assez écarté. Auquel cas, il faut juste chercher à rester en hauteur. Parce que le poids du corps descend sur les jambes. Plutôt que de vouloir forcément aller devant, si ça ne tirait pas du tout sur les jambes, mais sur le dos. Cherchez à rouler. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter, si ça vous fait du bien des fois après le cours. Là, on ne le fait pas parce que c'est pas mal de temps de... pas forcément très bien utilisé, mais à faire cet exercice-là, mais dans l'autre sens. Vous mettez contre le mur, les jambes en écart contre le mur, et vous laissez les jambes descendre, quitte à mettre des petits lestes si vous en avez, pas trop lourds, mais de 500 grammes maximum pour les enfants et 1 kg maximum pour les adultes, pour que ça vienne forcer un petit peu plus que le poids naturel des jambes. Il ne faut pas le faire pendant 2 heures, et si vous faites ça pendant 5-6 minutes en essayant de vous laisser aller, vous allez voir qu'après vous vous retirez comme ça, vraiment vous devriez descendre un petit peu plus bas. On peut se retirer doucement, tranquillement. On serre bien les jambes. On se remet. On va étirer un petit peu les mollets. Vous mettez sur une main sur une surface plane. Une jambe fléchie, une jambe tendue. Rangez de côté. Un petit peu les quadriceps. On saisit un pied, on tire fort en arrière. Un petit peu. Allez, Marois, je te vois. Voilà. Bon, de côté. Alors ça, si vous avez des problèmes d'équilibre ou si vous préférez ne pas le faire comme ça, vous pouvez vous mettre au sol. Vous pouvez vous allonger par terre directement. Puis là, on fait la même chose depuis le sol. Allez, relâchez. Et je vous laisse vous remettre en place pour le salut. Marois, Ayoub, le salut. Hâte de bouger, Marois. Tingui. Marois. Voilà, c'est mieux. Allez, je vous dis à demain pour le Tao. Soyez en forme. Benoît. C'est moi. Est-ce que c'est demain que Camille est mis 19-20h? Oui. Du coup, moi, je crois pas que je serai là demain. Ouais, d'accord. Normalement, le 19-20h, c'est un cours de Tao, c'est vrai, plutôt pour les adultes. Je ne sais pas si tu en avais fait, je ne me rappelle plus. Et toi, tu venais mercredi et jeudi. Merci, on a tous les cours avant.
Ouais, alors j'ai rien compris, parce que vous parlez tous en même temps. Il faut parler un par un. Attends, je vais Marois et Youb, j'entends rien du tout. Attends, je finis de parler à. Oui, on t'entend. Ben, je sais que vous m'entendez, mais c'est à Lucas que je parle. Donc Lucas, toi tu venais plutôt, je crois que c'était le mercredi, si je dis pas de bêtises. Okay. Je venais tous les jours. Ouais, bah ben, tu peux venir. Je ne me rappelle plus si tu venais le mardi ou pas, mais enfin si tu. Alors, il est chauve, Prams. Il a des lunettes oranges. Ben, bouge pas. Je vais couper une grosse bouche. De ceux qui ne m'écoutent pas. Voilà, crac. Tu peux venir, oui, enfin après tu peux venir comme tu veux, hein. C'est juste que si ça fait trop tard. Le Tao, on en fera de toute façon le jeudi. Le jeudi, je crois que j'ai un cours enfant. Jeudi ou mercredi, je ne me rappelle plus comment j'ai planifié mon truc. Nous, les autres jours, je crois que je suis là. Ouais, enfin, tu peux venir comme tu veux. Bon, Benoît, je te dis à jeudi. Ouais. Ok. Ça va, super. Allez. Salut, bon Stan. Bonsoir à tous. Ciao. À mercredi. À mercredi. Quoi ? Vous vous moquez de moi, là ? Je vais vous désactiver le micro, ça va être vite fait, là. Ok, j'avais pas vu.